Bonjour à tous et bienvenue sur Antilla TV. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers du gang de rap guadeloupéen controversé, Chien Larry, également connu sous le nom de CLR. Ce collectif, formé en 2004, est célèbre pour son implication dans le rap et la trap musique. Mais derrière leur musique percutante se cachent des histoires sombres et des scandales. Restez avec nous pour découvrir l'histoire fascinante de Chien Larry. Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde de Chien Larry, un collectif de chanteurs guadeloupéens qui a secoué la scène musicale locale. Fondé en 2004, ce groupe de rap et de trap music a rapidement gagné en popularité grâce à des titres tels que Make Money et Ancé. Make money, avocat ou gangsta. Make money, tout moun ka fey dans papel. Make money pour pas mettre un chien. Make money, take money pour pas moun pas bawayer. Mais au-delà de leur succès musical, Chien Larry a également été au cœur de nombreuses controverses. En janvier 2014, une enquête de plusieurs mois a abouti à l'arrestation de trois membres de Chien Larry, dont le chanteur Gambi G. Ils étaient accusés de trafic de cocaïne et les autorités ont saisi entre 40 et 50 kilos de drogue. Ce scandale a profondément secoué la scène musicale guadeloupéenne et a jeté une ombre sur la réputation du groupe. Les détails de l'enquête ont révélé que Chien Larry était impliqué dans des activités illégales complexes. Le groupe exportait de la cocaïne en utilisant des méthodes surprenantes, notamment en la dissimulant dans du rhum et des poupées. Cette révélation a choqué de nombreux fans et a conduit à une forte médiatisation de l'affaire. Outre Gambi G, le collectif Chien Larry compte d'autres membres talentueux, tels que Walton, STG et Loco Murder. Bien que le groupe ait connu des turbulences, ces artistes poursuivent actuellement une carrière solo, chacun explorant son propre chemin musical. Et voilà, c'était notre plongée dans le monde de Chien Larry, le gang de rap controversé de Guadeloupe. Leur musique a su conquérir les fans, mais leurs activités illégales ont également fait les gros titres. Nous espérons que cette vidéo vous a permis d'en apprendre davantage sur ce collectif hors du commun. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Antilla TV pour ne manquer aucune de nos futures vidéos sur la culture et la musique des Antilles. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt.